Hola, alors aujourd'hui je vais vous filmer l'endroit où on s'est posé depuis mercredi. À savoir que mardi j'ai été chez Craftelier, je vous ai fait une vidéo, vous la verrez à mon retour. Donc ça s'appelle la Fabrique, enfin la Fabrica, Our Living Event. Vous allez voir. Donc on a un grand hangar, parking. Là-bas il y a la piscine. Notre emplacement est là. Je vais vous montrer, pardon. Vous allez voir, c'est un concept assez original. Donc, petite visite. Oh là! C'était Jonathan, le propriétaire. Donc là, vous avez une salle de sport. Voilà. Quelqu'un qui est dedans, donc je vais filmer rapidement. Là, vous avez de quoi faire un petit selfie. Vous allez voir, le concept est hyper sympa. En fait, là, il y a des exposants. Les caisses sont déjà posées. Et si vous voulez un truc, tous les prix sont dessus. Vous prenez, puis vous voyez, il y a une caisse là-bas. Vous prenez l'article que vous voulez, vous mettez les sous dans la caisse. Et ils font pareil pour les boissons là-bas. Je vais vous montrer. Donc là, recette de sport. Alors, hop, je vais vous montrer le petit endroit où moi je travaille. Alors, moi, j'adore m'installer là. Parce qu'il y a le ventilo, il y a les prises pour le PC. Il y a monsieur qui peut faire sa petite sieste ici, et moi je bosse là. Et j'adore, je trouve ça super mignon. Alors je ne vous ai pas fait de vidéo avant, j'avais dit que j'en ferai tous les jours. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Et on a tellement profité, on a tellement voulu voir des choses, se balader, se retrouver entre nous. Et je vous avouerai qu'il y a un truc qui m'a un peu surpris. Vous avez vu comme c'est beau? C'est que j'ai vu que quand j'ai démarré les vidéos avec le van, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Une petite vingtaine. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que je devais vraiment m'obliger à faire une vidéo tous les jours? Est-ce que ça intéressait vraiment mes abonnés? Du coup, j'ai arrêté les vidéos, j'ai profité, et puis là, ce matin, j'avais trop envie de vous filmer ce lieu. Vous voyez, vous pouvez entrer à l'intérieur. Et tous les prix sont sur les bouteilles. Ce qui fait que vous prenez une bouteille, vous savez que celle-là, elle vaut 6 euros, et bien vous venez mettre ça dans la petite caisse qui est là. Donc ils partent du principe que ils font confiance. Voilà. Je trouve ça super. Je vais vous montrer jusqu'au bout du hangar. Donc là, le côté bar. Alors vous voyez, il y a toujours plein de choses exposées, de tableaux à vendre, plein d'artistes qui sont passés dans le coin. Là, on a la salle de yoga. Alors ils donnent des cours, on peut venir faire notre petite séance toute seule. Moi, je trouve ça top. Voilà. Ah oui, je vais vous raconter après ce que c'est ça. Là, c'est une autre habitation. Là, pareil. Vous avez des frais à votre disposition. Vous avez les tarifs. Vous n'avez plus qu'à vous servir et à mettre l'argent. Voilà. Après, on a un petit coin lecture. Encore là, sur la gauche. Donc, la table de ping-pong où tout le monde vient jouer. Comme le billard dans l'après-midi, quand il fait trop chaud, les gens viennent jouer. C'est sympa. Vous voyez? Et là aussi pareil. Là, c'est un endroit où tout ce qui est là est à donner. Donc c'est des gens des fois qui viennent avec des vêtements, des claquettes, des choses, et ils repartent pas avec. Donc vous pouvez venir vous servir. Voilà. Je regarde. Et on ressort, je vais vous montrer où se trouvent les sanitaires. Enfin, peut-être que vous vous en fichez, hein, mais bon, j'avais vraiment envie de vous filmer cet endroit qui est magique. Les gens sont hyper sympas. Enfin, c'est calme. Ça va? Puis c'est trop beau, quoi. J'adore. J'adore le concept. Donc là, il est presque 10 h. Salle de sport est prise. La piscine, moi, je viens d'y aller. Et donc, je vais vous montrer la piscine et puis après on va s'arrêter là. Alors les sanitaires se trouvent là-bas aussi, donc je ne vais pas vous le montrer. Il y a un coin buanderie, on peut faire sa petite lessive. Enfin, franchement, il y a tout ce qu'il faut. Mais alors la piscine, c'est le vrai bonheur. Parce qu'on peut y aller à toute heure du jour comme de la nuit. Il faut juste respecter les voisins. C'est sûr que si vous allez vous baigner à 1 h du matin, vous faites des plongeons, ça risque d'agacer les gens. Ce qui est normal. Mais si vous y allez pour prendre votre bain de minuit, et que vous voulez juste profiter du bassin, vous pouvez. Et ça, c'est top.
Et là, ce matin, je ne vous ai pas filmé les gens qui étaient en train de jardiner. C'est des campeurs qui mettent tous la main à la pâte. Et vous voyez, tous les matins, je vais me baigner dans cette piscine. Enfin voilà, là, je ne vois plus ce que je filme. Petit coin détente. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec cette petite vidéo de la Fabrica. J'adore. Et Mignon qui est posté, enfin qui est posé là-bas. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite.